Je te mal, je te fais ma question. Donc, avec un exemple, ça se crée rapidement. Je me texte au chat, ta limite, sinon, mais je me tape tous les hâtes à Teams, c'est un hello les Teams. Je me tape partout des messages, je vais tape partout des photos à Teams avec un fois ma question, mes choix. Ok, qu'est-ce qu'il Facebook, mais je me tape partout. Ben, un update Ottawa. Donc, on va faire l'exercice 5. Un espace, un cas espace vectoriel de dimension finie n. Est-ce que tu as ce qu'on fait, Al-Khri? Il y a donc E est un cas espace vectoriel de dimension finie. Donc je vais noter n sa dimension. Je vais prendre tau à p, un projecteur de E, et je veux montrer que la trace de p, c'est exactement le rang de p. Okay. Et P est un projecteur, en plus t'as des directs, une question lourde. Comment on fait une question lourde? Oh, le hasard, puisque P est un projecteur, puisque c'est un projecteur, donc je sais que E, c'est la somme directe de l'image de P, plus le noyau de P, Vn alpha. D'accord? Puisque E, je peux le décomposer, ou je peux l'écrire comme étant une somme directe de l'image de P plus le noyau de P. Donc là, je peux penser à une base adaptée. Donc, pour montrer nous, la trace d'un projecteur est égale au rang du projecteur, en fait, on résout la question en utilisant les bases adaptées. Donc je considère une base adaptée B, elle qui sera adaptée à la décomposition image de P plus noyau de P égale à B. Maintenant, je vais prendre une base de l'image. Et je vais la concaténer avec une base du noyau pour former une base B de l'espace E. Donc B égale E1 jusqu'à EN, virgule ER plus 1 jusqu'à EN, une base adaptée à cette composition, où on convient, non, E1 jusqu'à ER, c'est une base de l'image, et ER plus 1 jusqu'à EN, c'est une base du noyau. D'accord? Ben. Donc, ensuite, je remarque non, le rang de P de mon projecteur, c'est en fait la dimension de l'image du projecteur. Rappelez-vous, l'image du projecteur a une base liée E1 jusqu'à ER. Donc, ma dimposite la E1 jusqu'à ER est une base de l'image. Je suppose déjà non, R, c'est la dimension de l'image de P. Le nombre d'éléments d'une base, c'est la dimension de l'espace. Donc là, je suppose que le rang de P, c'est égal exactement à R. Okay? Mais le but, toi, c'est de calculer la trace de P, la trace de mon projecteur, et d'essayer de montrer nous, la trace, elle vaut exactement R. Okay? Ben. Juste, la trace d'un endomorphisme. On avait dit nous, la trace d'un endomorphisme, mais c'est exactement la trace de n'importe quelle, la trace de n'importe quelle matrice que représente cet endomorphisme. Donc la trace de P, ça sera tout simplement la trace d'une matrice qui représente P. Ok? Ça, la matrice de P dont la base adaptée P, les faire E1 jusqu'à E. Ou pour calculer la matrice, la zone comme les images de ces éléments par P. Concernant les éléments du noyau. Donc les éléments du noyau, varine les homa ER plus 1 jusqu'à E. L'image de EI pour I appartenant à R plus 1 jusqu'à 1, ça sera tout simplement 0, ce sont des éléments du noyau. Les éléments E1 jusqu'à ER. E1 jusqu'à ER, ce sont des éléments de l'image de P. On a l'image de P, et dès qu'un P est un projecteur, quel que soit X appartenant à l'image de P, P de X, c'est exactement X. Donc, quel que soit i appartenant à r, p de i, c'est exactement i. Okay? Donc, p de i, c'est exactement i. Du coup, la matrice de p dans la base p. Donc, je vais mettre les r premières colonnes. Je vais mettre les images de e1 jusqu'à e. Les home, à chaque fois, l'image de e1, c'est e1. Donc, je vais avoir les 1 là. L'image de e2, c'est E2, donc je dois les 1, deuxième ligne, et ainsi de suite. Donc, les R première colonne, je dois les D1, diagonale.
les images, les colonnes R plus 1 jusqu'à la dernière colonne, elle représente les images de ER plus 1 jusqu'à EN par P. Les éléments avec le col, les images sont zéro, sont le colonne en fait noyau, donc je dois les lames des zéro. D'accord? Du coup, la matrice de P dans la base adaptée B, ça sera une matrice qui s'écrit sous cette formule. Donc, on a IR, on a TD, on a R fois 1, 1 qui se répète R fois F diagonale, ensuite des zéros. D'accord? Ailleurs, il y aura des zéros. Ou bien, il y a une trace. Donc, trace, la matrice, elle est exactement R. OK? Donc, du coup, la trace de P, la trace de la matrice qui représente, d'une matrice qui représente P, ça coïncide avec le 1. Alors, est-ce que Femtoniolet avec un méchoir, je réexplique. Sûr. Allez, une matrice de P m'qasma à l'arba. Ça je comme ça. Matasse. P معطيس ب علاش هي او فيت مش مقسمه لاربعه، يعني احنا قسمناها لاربعه باش نجموا نراو الحكايه خيرها واش باش نحاول نكتبها الماتريس كلمه صفهم اكثر الحكايه بيه. احنا الماتريس دو بي اون فولي كالكولي لا ماتريس دو بي دون لا باز بي. Okay. Donc, pour calculer cette matrice-là, les amis, quand même, donc justement, je cherche l'espace. Je la même. Les amis, je commence par calculer P de E1. AT, P de EN. P de ER plutôt, dans ma loulani. Ou à partir de R plus 1, donc P de ER plus 1. A-t-elle P de EN? Là, il y aura des zéros. Une partie est de famille, fait les éléments à mon corps, leur image, colonne 0. Là, il y aura des zéros. Ok? Ben. On a P de E1. P de E1, c'était quoi? P de E1, c'est E1. La chatter E1, il appartient au noyau. Donc, P de E1. Puisque la neige, la colonne heavy, la première colonne, je vais l'utiliser pour représenter P de 1. Donc P de 1, c'est 1. Donc je prends les coefficients de P de 1 dans la base E1 jusqu'à E1. Sur la base heavy, on a juste un seul coefficient, le A fois O1, ou le bac cool plus des 0. Donc je suis dans les années. Je suis dans les années 1. Une composante suivant E1 ou le parc école des 0. Ok, ben, deuxième vecteur, P de E2. P de E2, il y a E2. Donc je te donne quelque part l'année, forme 0, bâtiment 1 suivant E2, ou par des 0. D'accord? J'ai quand même 9 slacks, j'ai tel écrit un P de R. P de R, quelque part, forme l'année R. Donc, quelque part, je vais avoir les 1 là, le P de R. Il y aura des 0, il y aura là, 1. Donc, quand j'ai une matrice, juste la tablette là qui choisit, j'ai une matrice, quand il partit, il dit au fait, et c'est exactement IR. D'accord? Donc, juste pour simplifier la représentation de la matrice, là, je m'écrivais par bloc. Donc, femme a dit un bloc fi IR, là, forme des 0, l'année aussi forme des 0, ou au-dessous de IR forme Z des 0. Donc, pour simplifier la représentation, là, je m'écris à la matrice, c'est IR, ensuite l'année forme un bloc de 0, un bloc de 0, un bloc de 0. C'est juste une représentation. D'accord? On m'a dit maintenant que l'IR est une matrice de taille N. Ok? Ok. Ben, les autres, tout va bien? Tu vois, ça rappelle comme choix, il y a ma tablette, right lag, il y a un bloc. Chaque fois que je fais un string qui marque, ok, ben, narge, on va te voir.
question les bardas c'est ben tu as une question à vie donc les questions à vie est classique en fait hein. Juste une question à vie classique dis-moi vous considérez une base adaptée le, je cherche la matrice le base adaptée à la décomposition l'image de P plus plus le noyau de plus le noyau de P d'accord lié à des décompositions ok ben, question 2 question 2, je vois un projecteur de E, comme un projecteur de E, P1 jusqu'à Pm, colonne des projecteurs, qui vérifie P1 plus 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 Pm égale l'identité. Ben, on veut montrer une E, c'est la somme directe des Fi. C'est une somme directe de Fi. Avec Fi, c'est quoi? C'est à chaque fois, c'est l'image de Pi. Donc Fi, c'est exactement l'image de Pi. Ben, et là, on a juste des petits rappels. ما عادش تفكر ولا اخر مره عملنا لينيير لا نوسيون تاع لا سوم ديريكت اش معناها سوم ديريكت دو بليزيور سوز اوفي اذا كان تاخذوا اول حاجه اول بوان اللي باش نحكي عليه هو سوم ديريكت اي باش نبعث لكم كوريكسيون دو ري نبعث لكم كل شيء كل شيء حتى اللي باش نكتبوه هذايا في الواحد باش نبعث كان عندكم تو جوست راني نحكي برشا ونكتب شويه خاطر لوتي ماهوش ما يعاونش برشا في الكتابة كان ناخذ تو ار اسباس ار سوز في بلوتو ار سوز في اف 1 جوسكا اف ال وقتاش هذوما يكونوا اون سوم ديريكت وقتاش السوم هذه تطلع لي اون سوم ديريكت عاش كي تتفكروا اخر مره انا دي انه السوم هي ديريكت سي سولمون سي il y a une unité de décomposition de tout élément appartenant à la somme هي هذيك تفهم لي فيها اللي ان بو كومبليكي دونك جو في دير انه فما باش نعطيكم جوست لي دو بوان اسونسييل اللي هو السوم هي ديريكت سي سولمون سي دي كو عندي 0 كاد x1 بلس 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 xn avec XR plutôt, avec XI à chaque fois, il appartient à FI. Maintenant, si j'essaye de construire, si j'essaye de construire 0 avec des éléments de FI, alors la seule possibilité, c'est de prendre les XI égal à 0. Déjà, on a une somme directe. Pour montrer qu'une somme est directe, il suffit juste de montrer nos 0 s'il s'écrit comme étant une somme des xi, les home, des éléments de fi. Alors, 0 s'écrit d'une manière unique, les home, prendre les xi égal à 0. D'accord? Ben, la méthode Thénia, il y a, si je suis dans la dimension finie, si la dimension de E est finie. Donc la somme est directe si seulement si, donc étoile à vie, la somme est directe, ça équivaut à dire nous la dimension de la somme, c'est exactement la somme des dimensions. Demain, jusqu'à. D'accord? Allez, je m'en ai la somme directe. Ben, là, je vais faire l'exercice. Nous, on a fait l'exercice. On veut montrer nos E, c'est la somme directe de FI. Donc, pour montrer ceci, il y a deux choses à montrer. Alors, c'est de montrer nos E, c'est exactement la somme. Ensuite, c'est de, on va essayer de montrer nos la somme et les directes. Donc, on va commencer par montrer nos E, c'est la somme. Tout court. Un élément majoudi fi E, je peux l'écrire comme étant une somme d'éléments majoudi fi FI. Dès l'étape l'autre. Donc, vite x m'ajoute phi e, comme vous le voyez là même, x m'ajoute phi e. Ce x là, donc je peux l'écrire, c'est l'identité de x. Vous rappelez-vous, les projecteurs P1 jusqu'à Pm, ils vérifient une relation liée à la somme des PI. La somme des PI, c'est.
La somme des pi, c'est l'identité. D'accord? Donc, je vais utiliser la propriété هذه. خذيت ان اكس موجود في او وابليكيت معناها خذيت ليماج دو اكس على سوم دي بروجيكتور اللي هي بيدا ليدونتيتي دونك شو اللي عندي اكس سي ايغال على سوم دي بي اي ابليكي ا اكس اللي هو هاك مكتوب لهنا دونك اكس سي ليدونتيتي دو دو اكس سي ايغال او سوم دي بي اي ابليكي ا اكس او سوم دي بي اي ابليكي ا اكس هذه هي سي تو سامبلومون اون سوم دي ليمون موجودين في لي اف اي quand les fi sont les images de pi, d'accord? Ou la somme de fi, puisque c'est une somme de sous v de e, elle est toujours incluse sur e. Donc, je vais voilà, voilà, un élément fi x, un élément m'ajoute fi e, m'ajoute fi 100, donc e, il est inclus dans la somme, ou la somme, elle est incluse dans e. Donc, finalement, voilà, un de e, c'est la somme des fi, d'accord? Ben, donc, allez, la somme est directe. Donc, je vais appliquer laquelle حكايه تاع الديمونسيون دون بار نعرف انه لا دي او سي دو ديمونسيون ان ديمونسيون دو او سي ان و او سي ليماج دو ليدونتيتي او سي ليماج دو ليدونتيتي و ليدونتيتي هي لا سوم دي بي دونك او لا ان سي لا ديمونسيون دو ليماج دو لا سوم و ليماج توا لا ديمونسيون دو ليماج دو لا سوم هي لو رون دو بي 1 بلس 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 جوسكا بي ام توا بي 1 بلس 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 جوسكا بي ام هو فينالمون سي ليدونتيتي و ليدونتيتي نجم نخزلها كوم ايتون ان بروجيكتور ليدونتيتي زيد اي سيت ان بروجيكتور ليدونتيتي او كاري سي ايغال ليدونتيتي دونك سي ان بروجيكتور دونك نجم تبقى لي كيسيون لول كيسيون لول شنو فيها فيها لو رون دو بروجيكتور سي لا تراس دو بروجيكتور دونك وليت لي رون de la somme de P1 jusqu'à Pn et exactement la trace de P1 jusqu'à Pn. La trace elle est linéaire, donc la trace de P1 plus 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 jusqu'à Pn. Ou كل واحد فيهم Pn, Pi, هذوما كل واحد فيهم c'est un projecteur. Donc à chaque fois on a des traces de Pi, il est exactement le rang de Pi. Donc voilà un des n, et voilà la dimension de la somme, c'est la somme des rangs. Ou ou la somme des rangs, كل واحدة فيهم, c'est rang de pi, c'est la dimension de fi. Donc, la conclusion, je vois là, n, c'est la dimension de e, liée à la dimension de la somme f1 plus 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 fm. Allez, c'est bien. Allez, je vais en aller. Vous êtes là, moi je t'ai bafé, on a un petit indice à l'origine. Allô? T'as bafé, monsieur? Ok, ben, d'accord, ben. نعود نرجع شنو وصلت انه ان هذه جوسك لا عندي ان هي باش تطلع لي سي لا سوم دي ديمونسيون داك ب و دوتر بار ان هي ديمونسيون دو او راك متفهمني فيه و سا سورا اكزاكتومون لا ديمونسيون دو اف 1 جوسكا لا سوم دو اف 1 جوسكا اف ان علاش خاطر كيلك بار خاطر على خاطر السوم دي ديمونسيون هو لا ديمونسيون دو لا سوم نو يا شيخ نو او فيت جو في مونتري سوسي جو في مونتري سوسي مون بوت سي دو مونتري سوسي بي ل هذه ديمونسيون دو اي بيد لا ديمونسيون دو لا سوم علاش خاطر من الاول بكل كلكو با جي مونتري انو او هو لا سوم اوكي دونك نعرف انو او هو لا سوم دونك لا ديمونسيون دو او هو لا ديمونسيون دو سيت سوم لا داكور Donc, un des n ou la dimension de la somme, ou déjà, développement AD, j'ai montré que n ou la somme des dimensions. Donc, n ou la somme des dimensions, n ou la dimension de la somme. Donc, la dimension de la somme est à la somme des dimensions. Donc, madame, la dimension de la somme est à la somme des dimensions. Donc, cette somme-là, elle est directe. Donc, un des hacks ou l'ethnique de f plus ronde, plus, 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 ronde, une somme directe FI.
وانا نعرف ديجا انه السوم دو اف اي هي ديجا او دونك شو اللي عندي او هو سي لا سوم ديريكت دي اف اي داكور اوكي مسيو مسيو بلاي اول ستر علاش ديمون علاش انا قال ديمونسيون دي ليدونتيتي علاش ان باه على خاطر l'identité de E. Je n'ai l'image de l'identité de E. X. X. Et quel que soit X appartenant à E. Ben, alors, je n'ai pas de vie. Quel que soit X appartenant à E, je sais que l'identité de E appliquée à X est X. Ben, دوا كان ليدونتيتي في بلاصه من تبع ليدونتيتي باش نوتيها جي جي هي ليدونتيتي دو او جي هي ليدونتيتي دو او سي كوا ليماج دو جي ليماج دو جي باش تطلع او صحيح باش تطلع او خاطر ليدونتيتي سي سوبجيكتيف ليدونتيتي كيفاش ادم ان توكا ليماج دو جي باش تطلع او دونك معناها ليماج دو ليدونتيتي سي اكزاكتومون او خاطر ليدونتيتي سي اون ابليكاسيون سوبجيكتيف ليدونتيتي هي نجم نخزر لها زيد ليدونتيتي دو او سي اون ابليكاسيون de E à valeur dans E qui est subjectif. Donc, quel que soit Y appartenant à E, il existe un antécédent tel que l'identité de cet antécédent est égal à Y. L'antécédent ou Y bit. Donc, c'est subjectif. Donc, l'image de l'identité est E, tout simplement. D'accord? D'accord, monsieur. Monsieur. Ok. Ben, Ayoub, on camble. Puisque c'est ok. Donc, on est en dit, donc, on a dit, N, c'est la dimension de E, ou E, c'est l'image de l'identité. Madame, l'image de l'identité, donc, je peux faire apparaître les projecteurs. L'identité, au fait, c'est la somme des projecteurs. Ou la dimension de l'image, c'est la somme de FI. Attends, on a dit, B. Rang de la somme de PI, c'est la trace de PI. Mais là, le passage est D. À la khatr, la somme de PI, elle dit, il y a l'identité. Ou l'identité. Monsieur, hein? Monsieur dit, mais où est l'identité, où est la somme entre les projecteurs, ou elle a juste fait le cas entre l'exercice HEV? Là, fait le cas entre l'exercice HEV, il y a des projecteurs qui vérifient, des projecteurs P1 jusqu'à PM, qui vérifient la somme de PI qu'à l'identité. D'accord? D'accord. Dans ce cadre, dans ce cadre-là, donc je suis allé rendre tous ces résultats. Donc, on a dit, nous, l'identité, fi haddet, l'identité fait haddet. Mais je me considère là comme étant un projecteur. Donc, madame est projecteur. Donc, le rang de l'identité ou exactement la trace de l'identité. Mais je semble le fait que l'identité est la somme. Donc, le rang de la somme ou la trace de la somme des pays. D'accord? Bah, l'année, j'utilise le fait que notre trace est linéaire. Ou me bad, j'utilise le fait que la trace de chaque projecteur, c'est le rang du projecteur. D'après les propriétés qu'on a montrées sur la question, on bat le rang de chaque PI, c'est la dimension de FI. Donc, je vais aller rendu jusque-là. Puis, à l'école, j'ai montré N, il y a la dimension de E. Puis, là, c'est la somme des dimensions de FI. D'accord? Ou d'autre part, on dit N, c'est la dimension de E. Ou E, j'ai montré, c'est la somme. J'ai montré, c'est la somme des FI. Donc, là, N, c'est la dimension de FI. Ou là, on dit N, c'est la somme. C'est la somme des dimensions. C'est la dimension de la somme. Donc, la dimension de la somme, c'est la somme des dimensions. Donc, somme heavy, ou l'être les directs. Ou puisque ta somme heavy, elle est égale à E. Donc, quoi, l'un de E, c'est la somme directe des FI. Et là, j'ai la question, t'adore. Allez, ta E, c'est la somme des FI. À la khatr, j'active la souris. À la khatr, tout simplement. Andy, narf nous l'identité, c'est la somme des pi. Donc, quel que soit x appartenant à e, l'identité
de x, il y a tout simplement cp1 de x plus pm de x. Où l'identité de x est x. Donc, quelle est de x est la somme de pi appliqué à x. D'accord? Où est pi appliqué à x, le p1 est le mojout. P1 de x est le mojout. Mojout fait f1, fait l'image de p1. Le mojout fait l'image de p1, lié au f1. Et ainsi de suite, où est mojout fait fm. Donc, voilà un de x, il est x1, plutôt je vais dire y, ou le x1, voilà. x1 plus 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 xn. Alors, ce qui fait ça. Plus, donc xn. Avec xi ou p de x, p de pi de x, كل واحد فيه موجود في fi. هذا موجود في fn. Donc, هذه السام موجودة في الاسا. D'accord? Donc, la conclusion, c'est quoi? Faites x quelconque. M'ajoute E. X m'ajoute E. J'ai réussi à écrire x comme étant une somme d'éléments m'ajoute une fille F. Donc, x, c'est m'ajoute une la somme. La somme, c'est la somme d'une manière évidente. Il m'ajoute une E. Khatr, sont dissous de E. D'accord? Donc, voilà, de E, c'est la somme de Fi. OK. OK, Dora. Les autres questions. B. Normalement, ça y est. L'exercice les bateaux. L'exercice 6. C'est l'exercice 6. C'est quoi le pistardé là? باش تعديها باش تعدي للسيت وفات باش نخدم السيت باش نخدم السيت اوكي باهي في السيت شنو عندنا ان كاي اسباس فيكتوريال دو ديمونسيون ان باش ناخو اف ان اندومورفيسم نون نو اون فا سوبوزي نو اف نيل بوتون دان ديس نيل بوتونس بي اوكي باهي بروميير كيسيون مونتري كو سا اكزيست ان ا دون او tel que f puissance p moins 1 de a est non nul. D'ailleurs, comment on fait une correction. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, f est nilpotent d'indice p. Je m'en ai un endomorphisme, une matrice nilpotent d'indice p. M'en ai un. Et nous, f puissance p est égal à 0. F puissance p, elle est nulle. Mais le f puissance p moins 1, c'est différent de 0. En d'autres termes, l'indice de nilpotence, c'est le plus petit entier k, tel que f puissance k égale à 0. Quand on a les câbles au col, ça ne me donne pas 0. Donc les puissances, c'est les câbles k au col, ou les câbles p au col, mais on a 0. Donc dire que p est l'indice de nilpotence, ceci veut dire que f puissance p c'est 0, ou f puissance p moins 1 est différent de 0. La mécanique est bien sûr différent de 0, mais la mécanique est différent de l'endomorphisme. Alors, je m'en ai un endomorphisme non nul. Un endomorphisme non nul, on a tout simplement, il existe un élément, tel que son image est différente de 0. Donc, puisque f puissance p moins 1 est différent de 0, alors il existe A, tel que f puissance p moins 1 de A est différent de 0. D'accord? Ben, une question les bases. Montrer que la famille A, f de A, jusqu'à f puissance p moins 1 de A est une famille libre de A. On va montrer les familles libres, c'est une famille libre. Il y a deux façons de faire. Il y a une façon directe avec soit des alpha i, tel que la somme des alpha i fois f puissance i de A égale à 0, on montre les alpha i égale à 0. Avec, fait un problème de rédaction, vous devez rédiger convenablement. Quand je déteste, je connecte les par itération. Donc, je préfère mettre en récurrence. Si je fais en récurrence, laisse-moi tu détailles les choses, tu rédiges bien. Donc, avec ça, j'évite la récurrence. Si je fais l'absurde, je vais supposer que au fait mais est libre. Si je suppose que mais est libre, si je suppose que la famille est libre,
Donc, dire lié maïslib, donc ça va exister du coefficient alpha 0 jusqu'à alpha p moins 1. Là, on a juste l'indexation mais 0, là, a, là, je me reçois le f puissance 0 de a. D'accord? L'entous nul qui vérifie. Et vérifie quoi? Donc A0 fois A plus A1 fois F de A plus alpha P moins 1 fois F puissance P moins 1 de A égale à 0. Ben. Puisque c'est que ce coefficient-là, je suis le colombe nul. Donc, femme affirme un plus petit indice, K, tel que alpha K est différent de 0. Et demain, le colombe est nul. Donc, avec un alpha 0 nul, sûrement, fait les bas de colombe est nul. Avec un alpha A nul, sûrement les bras de quoi le fameux Mohamed non nul, et ainsi de suite. Donc je vais considérer K. Je vais considérer K où le plus petit entier tel que alpha K est non nul. Puisque ta K c'est le plus petit entier tel que alpha K est non nul. Donc l'écriture est dit le col, ça met à étoile. Soit les têtes que tu oublies. Donc alpha K, donc somme que tu as déliminé alpha K, c'est le plus petit entier nul. Donc alpha K, F puissance K. De A plus jusqu'à alpha P moins 1 F puissance P moins 1 de A égale à 0. Ouais. On parle de chnouana. Tu corrèves. Je vais appliquer le F puissance P moins 1 moins K. Allez, je n'applique pas l'endomorphisme de les deux membres de l'égalité. Qui n'applique pas l'endomorphisme. Je vais exactement FP moins 1. Donc, je vais le donner FP moins 1. Naturellement, on a un peu de temps sur le FP, on a FP plus 1 et ainsi de suite. Donc, il y a des choses sur le FP moins 1, ou les bas de col, des choses sur le puissance akbar mal P, ou les hommes, je suis à 0. Quand on a fait ça, F c'est un endomorphisme important. Donc, F puissance P, ou F puissance P moins 1, ou F puissance P plus 2, et ainsi de suite, le colombe 0. Donc, il y a des choses qui appliquent à la FP moins 1 moins 4, je suis au fait ce 0 là. 0 égale à l'image de cet élément par fp moins 1 moins 4, les hauts, c'est puisque c'est linéaire, j'attends alpha k fois f puissance p moins 1 plus alpha k plus 1 fp plus jusqu'à alpha p moins 1 fois f de p moins 1 plus p moins 1 moins 4 de 1. Donc, le col, le f c'est népotent, fois ma dépuissance avec le p. Donc, j'ai pris juste alpha k fois f puissance p moins 1 de a égale à 0. Or, on a un alpha qui est nul. Donc, l'alpha k est nul. C'est absurde. Quand on a un peu de j'ai supposé qu'au fait, alpha k c'est le plus petit indice tel que alpha k est nul. Déjà, j'ai supposé qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps plutôt que le coefficient qui est nul. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, c'est absurde. Donc, l'absurde était que j'ai au fait, mais le fait que la famille. Elle est pas libre. D'accord? Ok? Est-ce que c'est clair? Monsieur? Monsieur, alors, je m'en applique au FP moins 1, maintenant, le global m'a posé le cas. J'applique au FP moins 1, bah, FP moins 2, comme on a rajouté les coefficients à et justement, avec le direct, j'ai fait, habite n'a pas d'aller avec Alej, j'ai fait avec Chambstein, j'ai rédaction que je dois lire. Fait étoile, elle dit, ben, fait étoile, elle dit, et toi, la vie. Mais je t'applique FP moins 1. Et je t'applique FP moins 1 à l'aide de l'école. Je suis obligé de dire. Donc, mes calls vont être annulés. Je prends juste alpha 0 fois FP moins 1 de A. FP moins 1 de A est non nul. Donc, alpha 0 est nul. Je t'achète maintenant. Donc, je dois les détecter. Au fait, puisque alpha 0 c'est nul. Alors, et toi, la vie. Je dois les détecter. Alpha 1, F1 plus. Je t'applique. T'applique à F1. F1, je t'adresse. Fait F puissance P moins 2. Je t'annule alpha 1. Et ainsi de suite. Donc, il dit que ça me connaît que tu n'as pas l'itération. On a un jeu de test. Ce qu'il m'a dit que tu n'as pas l'itération. Il faut ma base, il te donne. Il te dit que pas l'itération. Allez, je peux. Il y a pas de mais. Il y a une démonstration. Ça y est, pas l'ordre. Il dit que tu n'as pas l'itération. Ça se voit. Ou bien, je me dis que tu n'as pas l'itération. Mais tu n'as pas l'itération. Il faut ma des développements à faire. Donc, avec ça, je préfère la récurrence. Donc, il dit. Personnellement, je préfère que tu aies une récurrence. La récurrence, je sais que au fait, je suppose que nos alpha 0 jusqu'à alpha k sont tous nuls. Donc, je vais montrer nos alpha k plus 1 est nul. Donc,
علاش خدمت بلا بشو داكور ما توصل هذيك راهي توصل تخدم مسيو نجم ناخذها باغ ديفو اني معناها كل ما يقول لي باينها ليبر نستعمل ابسورد بيان سور كو نو نجم تاخذها باغ ديفو اما في ليكزومبل هذايا بالذات تخد الابسورديتي تخد خاطر في دوتري اكزومبل بتاتر كي ماش نعطيك اون فامي دو بولينوم مونتري اللي هي ليبر تعمل باغ الابسورد ما توصلك حتى شيء راه سا ديبوم ديما سا ديبوم من ليكزومبل اما هذايا سي كلاسيك اكزومبل هذايا تخدم بالابسوردي كيما ينجم كيما حكى احمد تخدم بالفاسون ديريكت اوكي كنت تبدا من بوتون كي نخدم باغ ديفو بيان سور نحكي على ليكزومبل كلاسيك هذا كي ناخذ اف ني بوتون ني بالابسيور تخدم كيما ديريكت زاد تخدم لكم زاد ديريكت انا بعث لكم تخدم زاد راه داك انا بعث لكم حتى ديريكت انا بعث لكم كومونس سريتيش فمش كون يل اكسبت راه حكي باريتيراسيون انا جوست نحاول ديما عرفت ما نعطيكم بلوتو الفاسون لا بلو سور الاخرى باريتيراسيون هذيك ساعات في كونكور اون اكسبت اوكي هذه راهي ظاهره اون اكسبت pour éviter le fait qu'on accepte ou on n'accepte pas, quand tu tires la discussion, tu dis, comme je connais, je fais ça, donc tu vois, mais je fais le concours, donc, quand j'essaie de dire, maintenant, bah, dans lequel méditation, je préfère n'être pas récurrence, d'accord? Ben, avec un tout va bien, fait question, à dire, mais t'as dit, je t'arrête, c'est une petite souris, voilà. Ben, fait la question, les bades, on veut déduire au fait le P بشكل عادي مع اقل من N علاش البي باش يطلع اقل من ان على خاطر بو لا سامبل ريزون باش نفسر رابيدمون بين الفامي هذه انا مونتري لي ليبر والفامي هذه سون كاردينال سي بي في بي اليمون دونك سي اون فامي دو كاردينال بي كي ليبر دون ان اسباس دو ديمونسيون ان دونك لو كاردينال دو سيت فامي لي توجور انفيريور ايكال لا ديمونسيون دونك يطلع لي دونك بي لي توجور انفيريور ايكال ان اوكي À partir de ma question 4, qu'est-ce que je vais supposer? Je vais supposer un mot P, c'est exactement N. Alors, je vais supposer au fait un mot F, c'est un endomorphisme nilpotent d'un disque de nilpotence N. Et au passage, je vais juste une remarque avant de m'attarder. À la question 3, qu'est-ce qu'on a montré? Les endomorphismes, on peut l'appliquer à les matrices. Qu'est-ce qu'on a montré au fait? On a montré au fait un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension, un endomorphisme nilpotent, f puissance n égale à toujours 0. Dis-moi f puissance n égale à 0. Kif kif une matrice A de taille n qui est nilpotente, donc A puissance n égale à 0. C'est-à-dire par défaut. C'est-à-dire que comment on l'a montré, d'accord? C'est-à-dire un endomorphisme f, un disque de nilpotence p. Indice de nilpotence ou le plus petit indice tel que f puissance p égale à 0, on a montré au fait que l'indice de nilpotence est toujours inférieur au égal à n. Je m'en ai un endomorphisme nilpotent, sa puissance nm est toujours égale à 0. Moi je m'en ai n, c'est l'indice de nilpotence, m, sa puissance nm c'est toujours 0. Kavir, déjà ça a pas on a fait quelque chose. Okay? Ben, maintenant on fait la question 4. Je vais supposer que l'indice de nilpotence c'est exactement n, c'est exactement n. Je vais noter C de F et ça, le commutant de F, l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec F. L'espace des matrices ou l'espace des endomorphismes, moi je commutatif. Le no avec, moi je commutatif. Enfin, ça existe des matrices telles que A et B, telles que AB est différent de BA. Donc, je suis en train de dire qu'il y a le commutant d'une matrice ou le commutant d'un endomorphisme. Le O, c'est l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec F. Et on va vérifier le B, le B, le A,
f de a jusqu'à fp moins 1, p ici c'est n, donc jusqu'à fn moins 1 de a. C'est une base de vérification rapide, on a montré les libres. Le son cardinal c'est n, la dimension de e c'est n, donc c'est une base de e. Ben. Ou bien, on va faire une base de e. Donc, on va faire une base. Vérifiez que CF est un sous-espace vectoriel de L de E. Allez, je vois c'est un sous-espace vectoriel. Tout simplement, il contient 0. C'est non nu, c'est non vide. Donc, ça contient 0. 0 est commute avec F. F rend 0 et bit à 0 F. Ben. Ok, tu as deux endomorphismes G1 ou G2 qui commutent avec F. Donc, F rend G1 plus G2 et bit à G1 plus G2 rend F. Ou F rend alpha G, il est bien alpha G rend F. Donc, séparer le Wahm, je vais marquer rapidement. En tout cas, on peut vérifier rapidement les hausses dans ce FP. Je vais dans la question 6. La question 6, je vais rouger un élément de C de F qui commute avec F. On va noter A0 jusqu'à AP moins 1. Je vais noter A0 jusqu'à AP moins 1. Voilà, AN moins 1. Les coordonnées de GA dans la base B. On a besoin de l'image de A par G. Je vais noter A0 jusqu'à AP moins 1. Les coordonnées de GA dans la base B. Je vais noter G de A. Oh, c'est la somme de AI fois F puissance I de A. Okay. Donc, ce sont les coordonnées de ce vecteur-là dans cette base-là. Okay. Exprimer les coordonnées de G appliqué à cet élément-là. Dans B. Ben, il y a des idoles qui sont quand même, je vous collection. Question 6. Ben, donc, comme on a dit, puisque les AI sont les coordonnées de GA dans la base B, donc GA, c'est écrit les A0 fois A, A0 fois le premier vecteur de la base, plus A1 fois le deuxième vecteur, plus AN moins 1 fois le dernier vecteur. N au P sont égaux. Hein. Donc GA, c'est la somme de I égale à 0 jusqu'à N moins 1 de AI, F puissance I de A. D'accord? Ben. D'abord, je veux calculer l'image de F puissance K de A, un élément de la base. C'est un élément de la base. Par G. Donc, puisque F ou G est commute, donc G rend F puissance K, il y a bien F puissance K rend G. Ça, c'est un résultat qu'on peut montrer facilement par récurrence. Ou F puissance K appliqué à G de A, donc juste, je vais remplacer G de A par son expression dans la base. Donc, je vais aller finalement G de F Km de A. Voici la somme de I égale à 0 jusqu'à N moins 1 de AI de F puissance I plus K de A. Allez, je vais dire le haq normalité. À la khater, F puissance K, c'est une application linéaire finalement. On dit le haq de linéariser. Mais, n'attendez pas, F, au fait, c'est un endomorphisme nulpotent. Donc, somme, au fait, voilà, je vais faire un changement d'indice. On dit un i qui varie de 0 jusqu'à n moins 1, on a une puissance liée i plus k, donc avec je vais poser à des g. Donc lorsque i parcourt l'ensemble 0 jusqu'à n moins 1, j, ça va parcourir l'ensemble k jusqu'à n moins 1 plus k. Donc somme à dire, en changeant d'indice, je vais aller, c'est la somme de j de k jusqu'à n moins 1 plus k de fjm de a. Multiplié par Ivaken J ou I plus K, donc I ou c'est J moins K tout simplement. D'accord? Ok? Ben, on va je vais remarquer au fait que F c'est nulpotent, donc somme à dire, au fait, ça va, elle va sortir l'ordre N moins 1. Donc, il y a une colonne plus que c'est nulpotent, donc la puissance à l'ombre, je connais. Donc, J de F K de A ou tout simplement AD. D'accord? On va donc voir les coefficients de ce vecteur là. Dans la base B. Ok? Question les bases. Question les bases. Hein? Déduire que G, en fait, Pshiat là, c'est la somme de AI, l'identité AI F puissance I. Attends, l'idée c'est quoi?
إذا كان خديت أنا إليمون جي موجود في الكوميتون، إذا كان نحسب جي دو أ ونطلع لي كوردوني دو جي دو أ في الباز هذه، ألور سي كوردوني لا هما بيدهم باش يطلعوا لي لي كوردوني دو جي في الباز اف بيسونس بي. داكور، معناها لي كوردوني هذوما باش تعداو وفت على الاندومورفيزم الكل، مش كان على ليمون جي دو أ. مسيو؟ مش دوني هيك مسيو ملي هو قال لك الـ A0 حتلك شي الـ AP موانز لي كوردوني دو جي دو أ. سو سون لي كوردوني دو جي دو أ مش دو جي. معناتها لي دي سي كوا؟ إذا كان أنا عندي هي لي دي هي الكرسي. إذا كان عندنا فيت جوسك لا عندنا جي دو أ اللي هو أن فيكتور دو أو، هذا سيت أن فيكتور دو أو. جي دو أ إيكال لا سوم، سي لا سوم دو أ إي إف بويسونس إي دو أ. لكن هو هذا باه بور إي ألون دو أن جوس أو لا بليتو دو زيرو جوسكا إن موز. إذا كان أن فيكتور جي دو أ يتكتب هكا، on veut montrer en fait g l'endomorphisme g هو باش تكتب لي finalement c'est la somme de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 de ai f puissance i. je vais montrer هذه. d'accord، à partir من هي à partir juste من les coordonnées d'un seul vecteur باش نطلع les coordonnées de tout un endomorphisme. d'accord، هذه هي l'idée. Comment je vais faire en fait je n'ai déjà dit mais je dis et nous les bases adaptées le choix du 1 question le matrice comme ça n'est pas vraiment je t'ai dit mais je n'ai pas la matrice en fait maintenant je m'en rends à la matrice avec alors je dis mais je dirai le choix de la base raoua ma réduction au chauffe au basé que je t'en ai beaucoup de mal et je t'en ai très intéressant. كيفاش نخدمو على الكيستيون هاذي أو فيت؟ أو رماركون أو فيت أنو دو أندومورفيس، هاذيا فينالمون جي ست أندومورفيس، موديل الكل ست أندومورفيس في الآخر، دو أندومورفيس سونتيغو، إذا كان إل كوانسيد سو لي زيليمون دون باز، معنتها أون دوتر تيرم باش نخرف أنا تو، إذا كان عندكم دو أندومورفيس، إيزون أن أندومورفيس إف وأن أندومورفيس جي، وعندكم بي. Il y a une base de E, faire E1 jusqu'à En, une base de E. Avec un rand comme F de EI, il y a bien de G de EI, quel que soit I. Alors, donc, quel que soit I, alors F, c'est exactement G. Et lequel il coïncide sur les éléments de la base, d'une base plutôt, donc ils sont égaux. Voilà le principe de E. Le principe est de n'appliquer à les deux endomorphismes, le home, l'endomorphisme G ou l'endomorphisme matériel. Je vais montrer que ces deux endomorphismes-là coïncident sur les éléments d'une base. Les images des éléments de cette base par G, on m'habille donc les images de cet élément de ces éléments-là par cet endomorphisme. Donc, déjà, le F, G appliqué à FK, de A, yom hadoum. Donc, je n'ai pas l'endomorphisme appliqué à FK de A. Il y a la correction avec l'octobre. Donc, il suffit juste de montrer que, quel que soit K, en fait, G de FK de A, ou l'image de cet endomorphisme, l'image de FK de A par cet endomorphisme. Car tout simplement, c'est une base. Okay? Ben, or, l'endomorphisme AD, si je l'applique à FK de A, par linéarité, je vais tout simplement, c'est A0 FK, plus, 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 jusqu'à ANF. Donc, N plus K moins 1. Au somme, elle va sortir N moins 1. Au somme, au fait, c'est la somme de J égale à K jusqu'à N moins 1, de AJ moins K, pour F puissance J de A. Et trop de juste j égale à k, je suis comme j égale à k, le premier terme, je suis comme a de k moins k, il y a 0, a 0, pour fk de a, il y a
Pour k égale à 1, j'applique au second élément. Pour k égale à n moins 1, j'applique au a de n moins 1 moins k, l'IOAB, fois f de n moins 1 de a. C'est exactement g de fk. Donc la conclusion, c'est que quel que soit k appartenant à 0, n moins 1, l'image de fk de a par g est l'image de fk de a par cet endomorphisme. Donc les deux endomorphismes sont égaux. Ok, ben, question de Khrani, les conclusions. Les conclusions, donc, Shamalna, jusque-là, Khrani un endomorphisme, j'ai l'énoncé, Khrani un endomorphisme G, موجود في الكوميتون. L'endomorphisme est موجود في الكوميتون. J'ai réussi à l'écrire comme étant une combinaison linéaire des FI. Un élément موجود في الكوميتون, et élément موجود في الكوميتون, t'écris le كوميتون une combinaison linéaire des FI. Les combinaisons linéaires des FI sont موجودين en fait, موجودين في الvecte de FI. Le vecte de FI. Quel que soit G appartenant au كوميتون, G, il appartient au vecteur de Fi avec i entre 0 jusqu'à n-1. Donc, où est le commutant le col? Le commutant le col, il est inclus sur le vecteur avec. Monsieur, tu as dit que c'est cette chose. Je n'ai pas dit que c'est. Tu as dit l'idée, monsieur, fais-moi l'idée, mais fais-moi ce que tu as dit. Question, le 8 ou le 7? Le 7, 7, monsieur, tu as en tout dire. Le 7, plutôt. Donc c'est la question en déduit. Ben, allez, ben, je n'ai pas dit comment. Fais-moi l'idée. Oui, monsieur, fais-moi l'idée. L'idée, oui. Ben, ah, je n'ai pas dit que tu es pas tout, je n'ai pas dit. Ben, l'idée, il est dit. Je vais montrer nous, les deux endomorphismes, ils coïncident fi base. Ben, pour simplifier les choses, je n'ai pas dit. Un des endomorphismes, j'ai. Ok, pour tout à l'heure, je n'ai pas dit. Ça me hache, mon endomorphisme, à zéro. H au l'endomorphisme A0, identité, plus AN-1, F puissance N-1. D'accord? Juste pour simplifier, je vais vous dire d'une manière beaucoup plus claire. Pour montrer N G égale à F, égale à H plutôt, il suffit juste de montrer N, quel que soit EI, plutôt que je dis. Pour montrer les deux LG égale à H, je vais montrer. Jusqu'à EN, je vais montrer nos G de EI ou Abidou H de EI. On a besoin d'avoir une base quelconque. Je vais montrer nos les G ou le H, ils coïncident sur la base. D'accord? C'est l'idée. Mais je vais travailler avec la base qui est B. La base B, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Les éléments de la base B, c'est A, F de A, jusqu'à F, N-1 de A. C'est-à-dire le base B. Je vais montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer E0, je vais vous montrer E1, je vais vous montrer EN-1. Au fait, je vais vous montrer G de EI, oh, c'est exactement H de EI. C'est-à-dire que je vais vous montrer. Le EI, finalement, c'est quoi? Le EI, c'est F puissance I, plutôt EK ou F puissance K de A. Adaption Bayen finalement, nos G de F puissance K de A ou exactement CH de F puissance K de A. Adaption Bayen. Et le fond Bayen est dit, vous faites la quai, allez, je vous fais la quai, j'ai déjà les FK, ce sont les éléments d'une base. Ok, adaption Bayen, nous. L'endomorphisme G ou l'endomorphisme H, ils coïncident sur les éléments d'une base. Ok?
جوست لازمكم تفهموا وفيت انه هاش هو لندا مورفيس ماذا يقول. دونك باش تبقى جوست تعمل دي كالكول. الكالكول باش نعملو هاش دو اف ك دو ا هوش باش يطلع هو باش يطلع. دونك لندا مورفيس ا زيرو ليدونتيتي بلس ان موانز ان اف n moins 1. Donc je l'applique à la fk de a. Si j'applique, je pchette la pchette là tout simplement à 0. Donc l'identité à la fk, pchette fk de a plus a 1 fois fk plus 1 de a plus f اخر واحد بالكل. سي جابليك اف ان موانز 1 على اف ك باش يعطيني اف ان موانز 1 بلس ك او بلوتو اي لي ملتيبلي انا فما ان كوفيسيون اللي هو دونك ا ان موانز 1 و اف ان موانز 1 بلس ك. شو مازال طب هذه ليماج دو de fk de a par l'endomorphisme h, mais c'est juste de simplifier. L'écriture a dit, je vais juste garder les puissances les aqal min n moins 1. Donc, elle dit, c'est a0 f de k de a plus le coefficient a n moins 1 moins k fois f n moins 1 de a. D'accord? Ok. Ben, je vais juste l'écriture, je vais l'écrire autrement. Je vais l'écrire, c'est la somme de j égale à 1, ou plutôt j égale à k, jusqu'à n moins 1, de a, j moins k, f puissance j, de a. Juste, je vais trop la joie de l'écriture. Je change juste de couleur. L'élément est là. تاخذوا لهنا جي ايكال ا ك جي ايكال ا ك بور جي ايكال ا ك لهنا بور جي ايكال ا ك باش تعطيني ا ك موان ك اللي هي زيرو لهنا سي زيرو فوا اف دو ك دو ا. ومن بعد بور جي ايكال ا باش يعطيني دوزيام تيرم اللي هو هذا بور جي بليتو ايكال ا ك بلس ان باش يعطيني سو تيرم هنا ايانسي دو سويت. داكور باهي. بعد qu'est-ce que je vais faire? Je vais remarquer nous avons au fait au b de g de fk de a. Les accepte juste les questions les plus. Donc voilà un petit finalement. Et nous, quel que soit k, g de fk de a ou h de fkm de a. Comment je vais conclure? Donc, je vais conclure en disant nos fk de a. Donc, finalement, c'est une base pour k variant entre 0 et n moins 1. D'accord? Puisque c'est une base, donc le f il est égal à h. Ou bien sûr, le h, c'est quoi? H, c'était l'endomorphisme avec la somme avec h. D'accord? Les autres, d'accord, ou les? Hey, c'est bon, monsieur. D'accord, monsieur. Ok, ben. Ben, conclusion, finalement. Elle est un endomorphisme. Moi, je trouve comme étant, il y a un aménagé. J'ai fait là, finalement, sous combinaison linéaire d'éléments des FI, des F puissance I. Donc G, mon jout fait le vec de FI. Donc le commutant il est inclus fait le vec de FI. Ou un élément le vec de FI, il est écrit au fait qu'il marque l'élément réveil, il commute avec F. Car finalement c'est un endomorphisme de F. On peut voir rapidement les réveil, il commute avec F. Qu'on hotte la nerf en F ou la nerf en F, c'est la même chose. Il commute. Donc réveil déjà, le vec de FI il est inclus fait le commutant de F. Donc, la conclusion, c'est quoi? Le commutant de f, il est inclus le vecte,
والفيكتور انكلو في الكوميتون دو اف دونك فيت الحكايه دونك فما ايجاليتي بين داكا هذا الاكزرسيس 7 نهار طونطون نكون نتخمو شوية في اللي كنا نحكيو فيه معاش تعدل ال 8 ولا ال 9 الوغ دي كيستيون قبل ما تعدى نعم سي واضح اوكي تعدل ال 8 مسيو Je sais pas ce que lui Twitch. La grange, lui, tu sais. Ben, ton âme, lui, t'as ton âme, lui, rapidement. Ben, fais lui, tu en fais. Ou à moi, je t'ai fait cramer ou l'interpolation de la grange. Moi, je. Le bas de polynôme, c'est en tout cas, c'est un rappel à la grange. Fais le polynôme, écris-toi. Exercice 6, ça m'aime, toi. Ah, ben là, j'en ai 6. Fais 6, rapidement. Tiens, on a fait 6. Juste question 4. Ben, quelle question 4? Ok, marche. Est-ce que les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Mais, dans l'hôtel, rapidement, à l'exercice, si on fait un endomorphisme. L'endomorphisme, il est stable à Rn de x. Ou peut-être là, il est un endomorphisme à Rn de x. Donc, allez, fait question 4, l'exercice 6, allez, je m'en automorphisme, en fait. Alors, il suffit juste de remarquer, le noyau de F, l'endomorphisme, en fait, il va contenir tout un idéal. Je me recommande. L'exercice 6. 6. D6. D. Correction. Aïe. L'endomorphisme au champ rien. T'as-tu un polynôme P? Un polynôme P, ça en a des. En fait, là, on a des alpha 0. Hein. Des coefficients de alpha 0 à Fn. Des coefficients 2 à 2 distincts. Disons que nous avons 2 à 2 distincts. L'endomorphisme F champ rien, il faut un polynôme. L'image de ce serait un polynôme. Ou c'est le polynôme formé par la somme de P alpha K X K. Je vais appliquer le P à les alpha i avant. Les images de alpha i par P, ils seront les coefficients du polynôme image de F de P. On a F de P, c'est la somme de F de P alpha k fois x puissance k. Donc, il y a P m'ajoute fait R de x, ou F de P égale à 0. Donc f de p égale à 0. Tout d'abord f de p c'est la somme des k allant de 0 jusqu'à n. Jusqu'à n de p puissance. De p alpha k plutôt. Pour x puissance k. Le quinter de p égale à 0. Le p mon jeu de noyau, maintenant l'image par f c'est 0. ايش معناه؟ معناه هذا سي لو بولينوم نول. والبولينوم نول شنو نعرفوا عليه فينالمون؟ زوز حاجات مهمين ياسر على البولينوم نول. يا اما الى دمي انفينيتي دو سوليسيون. هذه البريمير الحاجه الاولى كي كاركتيريز لو بولينوم نول. والا سي ان بولينوم بولينوم نول نجم نخصو لو كوميتون ان بولينوم دوغري ان كي ادمي ان بلس ان راسي. هذه لا دوزيام شوز. والا لا تروزيام شوز البولينوم نول C'est l'unique polynôme dont tous les coefficients sont nuls. Le coefficient d'un polynôme où il est un texte de P, il est un texte de P où c'est la somme de AI x puissance I entre A0 plus A1 x plus A2 x2 plus A3 x puissance 3 et ainsi de suite. Puis AI a comme le coefficient. Le polynôme nul où c'est le seul polynôme dont tous les coefficients sont nuls. Donc, madame polynôme où la rente 0. C'est le polynôme nul qui est la somme de P alpha K fois X K. Donc, puisque c'est le polynôme nul, donc tous ces coefficients liés au marathon, ils sont nuls. Donc, manière, nous P, c'est un polynôme de R de X
qui vérifie P de alpha K égale à 0, quel que soit K appartenant à 0 jusqu'à N. Donc, je m'en ai avec, je n'ai pas moment. Le fameux moment, au fait, nos alpha 0 jusqu'à alpha n, ce sont des racines de P. Adam, ce sont des racines de P, donc P, c'est. Madame, ce sont des racines, donc je peux factoriser. Donc, P, c'est x moins alpha 0 fois x moins alpha n. Je mets toutes les racines, je factorise par ces racines, fois un autre polynôme Q. Ok? Donc, je change ici. Je vais tout simplement dire que je disons M, ou le, un polynôme Pi. Donc, quoi est au fait le, un polynôme P, qui est موجود في le noyau de F, il est écrit les dîmes, c'est Pi, le polynôme Pi, il est fait, c'est le produit de x moins alpha i fois Q. Et les hauts, la structure, le chapitre, la structure, la quête, le contrôle, les idéaux et tout. Mais je me retrouve comme étant un élément de l'idéal Pi, le polynôme, le produit de x moins alpha i fois K de x. Les hauts avaient c'est un idéal en fait. D'accord, elle est en fait c'est un idéal. Idéal de K de X, de 2 de X. Marche finir. L'endomorphisme avait été. Voilà. Finalement, c'est le noyau de F. Il est différent de 0. Donc match injectif. Donc match automorphisme. D'accord? Ok, donne. Ok, ben. Le tadeo. نتعديو الاكزرسيس نخدمو الويت باه الويت شنو عندنا في الاكزرسيس ويت انا كالعادة نفس البرانسيب وفيت نفس البرانسيب تاع الاكزرسيس انا دي كوفيسيون ا زيرو جوسكا ان كي سون ديستان دوز ا دو انا باش ناخد ان بلوس ان كوفيسيون كي سون ديستان دوز ا دو بس ناخو ان اندومورفيسم ولا ان مورفيسم بليتو اون ابليكاسيون لينيير في من الكا دو اكس اون كا ان بلس ان كي تو بي اسوسي لو ان بلس ان اي بلي اللي فيه دي زيماج دي ا زيرو بار بي كيما بالضبط في في ليكزرسيس 6 اون فيت ديفيرونس بينات في ريبريزونتاسيون اون فيت لان جوست ا بي جاسوسي le polynôme formé dont les coefficients sont P, alpha, I. Puis l'exercice 8, juste les coefficients que je représente dans K, N plus 1. Donc, même cela, je les représente dans K, N plus 1. Ben, montrer que phi linéaire C, je vais regarder rapidement, je vais déjà parler à le déterminant du E, déterminant le noyau de phi de A, de phi plutôt. Le noyau de phi, au chenon, on se sent les polynômes P, mais à l'exercice 8, le noyau de P, ce sont les polynômes tels que, donc P appartient au noyau, si seulement si phi de P égale à 0, il y en a 0 de K de N plus 1, donc P appartient au noyau, si seulement si l'image de P, de phi de P, il y a P de A0 jusqu'à P de A1, donc, P appartient au noyau si seulement si ce vecteur là il est égal à 0 0 0 maintenant si seulement si quel que soit il appartient au 0 appartient au 0 P de AI égale à 0 si seulement si les AI sont des racines de P donc avec un je note pi pour le polynôme V donc P appartient au noyau de phi si seulement si ce polynôme là il divise P en fait si seulement si P il appartient à l'idéal engendré par pi. Attends, c'est seulement si pi ce polynôme-là multiplié par un autre racine, par un autre polynôme. Attends, en d'autres termes, si seulement si p, les ai sont des racines de p. D'accord? Ben,
هذه كيسيون لو كيسيون دو بلوتو وفي واش حاجته زيد حاجته الانترسيكسيون اونتر لو نوايو دو في اي ك ان بلس 1 دو اكس علاش هذا باش يطلع سي لو سوز في انجندري بار سو بولينوم لا على خاطر تو سامبلومون اول حاجه هو سي ان سوز في على خاطر لو نوايو سي ان سوز في ك ان دو اكس سي ان سوز في دو ك دو اكس Donc l'intersection pour s'atteindre un sous V. Allez, ce sous V, c'est exactement le sous V engendré par ce polynôme-là. Alors, tout simplement, quand tu as P, mon jeu de fait l'intersection, je m'en ai. On a P, d'une part, au de degré inférieur ou égal à N moins 1, N plus 1. D'une part, c'est de degré inférieur à N plus 1. Ou d'autre part, puisque P appartient à un noyau, donc comme on l'avait dit, les AI sont des racines de P. Donc voilà, on dit. P, les hauts moujoutes fait l'intersection dans le noyau et Kn plus 1 de x. Voilà, on dit P, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n plus 1, ou un de n plus 1 racine. Donc, je nous m'en ai. Je n'ai que pas écrit. Donc, le P moujoute fait le Kn plus 1. De x inter le noyau de phi. Le fait est que les hauts sont noyau de phi, je m'en ai. Je suis ici. Donc P appartient au noyau de phi. Ça implique et nous, les AI sont des racines. Ou le fait est que nos P sont de phi Kn de x. Kn plus 1 plutôt de x, ça équivaut à dire le degré de P est inférieur ou égal à n plus 1. Donc ces deux informations à dom et des k, ces deux informations à dom, chatoun en fait nos P, puisqu'il est de degré inférieur ou égal à n plus 1 ou 1 de n plus 1 racine, donc chat là exactement. Ces racines sont hadoum x moins alpha k avec k de 0 jusqu'à hadoum ces racines ou aïe polynôme ces racines sont hadoum je t'écris tout simplement c'est alpha fois la factorisation ou hadaye mais je me l'exorle tout simplement il appartient au vecte du polynôme hadaye du polynôme hadaye اللي احنا سميناه بي و انفيرسومون اي بولينوم موجود في الفيكت هذايا باش يكون موجود في في النوايو دو في انتر النوايو دو في مسيو الالفا هذيك هي الكوفيسيون دومينون تاع البي صحيح هي الكوفيسيون دومينون دو بي جوست خزروا لهيك معناها كاينكم تخدموا عندكم بولينوم دو دوغري 2 وعنده دو راسين 1 و 2 Donc un polynôme de degré 2, 1 de 2 racine 1, 2. Donc, je t'écris forcément, c'est quelque chose fois x moins 1, fois x moins 2. D'accord? Donc, on va peut-être dire le clé de l'archivie. Attends, on dit un polynôme, P de 1, le P de 1 égale à 0, ou P de 2 égale à 0, ou degré de P, inférieur ou égal à 2. Donc, Hadom, les informations Hadom, le P, au fait, est établi, puisqu'il est de degré inférieur égal à 2, donc 1 de 2 racine distant. Donc, c'est au fait de degré exactement 2. On forme un coefficient. C'est qui est l'arcane qu'il faut. D'accord? Ben. Tac, tac, tac. Question, les bandes de Ben. Monsieur, vous avez une question, ma hache, ou alpha? Ma hache vect, c'est l'espace engendré par pi. Oh. L'espace engendré, donc, forme avec les alpha. Les éléments de l'espace engendré par pi, vous mettez le kitbo alpha pi. Donc, il est le kitbo alpha fois les x moins alpha i. Produit des x moins alpha i. Donc, je n'ai pas une restriction, puis un, c'est la restriction de phi sur k n de x. علاش باش تطلع لي انيزومورفيزم؟
Donc, je n'ai pas restriction. Puis N, c'est la restriction sur Monsieur. KN2. Ah. Monsieur. Je me termine à rappeler la restriction au col. Okay. Restriction, c'est quoi? Restriction, il y a une chose simple. Au fait, l'induit, il y a les cas. Mais restriction, il y a une application. Ah, il y a restriction. Il y a, disons, F, un endomorphisme. Disons plutôt mon champ de mon fils une application linéaire mais e dans e prime ou e ou e prime de sous v une application linéaire via une application linéaire dans l de e e prime b qui met au taux f 1 sous v de e. Restriction F sur F. Et tout simplement, je réduis le départ, mais lesquels E, je ne les rajoute F. Donc c'est l'application de F à valeur dans E' qui a tout X appartenant à F associé tout simplement F de X. Puisque le X il appartient à F, ou moujoud fi F, donc moujoud fi E. Donc là je marque F de X. Ben, restriction F. L'application Samuel, par exemple, G. Est-ce qu'elle est linéaire? La réponse est oui. G de x plus y, finalement, je vais f de x plus y, f de x plus f de y, je vais g de x plus g de y. Donc, elle dit, au fait, c'est linéaire. Donc, c'est une application linéaire. Juste, les tbeds de l'chnon, puisque c'est la restriction sur f, donc, le départ, je compte f ou l'arrivée, je compte e'. D'accord? Avec je la restriction. OK ben, par contre il y a une restriction مزيانه على الاخر كي يبدا عندك ان سوزوفي ستابل اذا كان ديزون U ان اندومورفيس و F ستابل ان par U donc restriction على F au fait. Puisque je vais réduire l'espace de départ, ma hache, je vais aller les E. Restriction avec, puisque F est stable, donc l'image de tout élément de F, je vais aller dans F. Donc restriction, c'est ça, l'induit, là. Ou l'on s'amène à l'induit. Ou toi, au fait, c'est un endomorphisme de F. Rien que à la khatr, le F, c'est un sous-ov stable. D'accord? Riche, je m'en restriction. Ben, là, je vais avoir, puisque je une restriction. Le phi N, active là. C'est le trop l'écran. Hey, monsieur Khadim, le trop l'écran. Ouais, on tourne dans le cas. Voilà, ben. Restriction phi n et c'est l'application mais le cas n de x juste pas de départ l'arrivée au bit ou un polynôme t'exdou mais le cas n son image il y a bien l'image de ce même polynôme de phi donc l'image de tout polynôme il y a p0 jusqu'à p à n donc l'image d'un polynôme de kn il y a bien d'accord avec restriction mais kn je redéfinis une autre application à partir de la première application. Allez, j'ai dit que c'est l'isomorphisme. Ok, j'ai dit que c'est la linéaire. C'est la restriction. Mais c'est l'isomorphisme à la chatre injectif. Un ensemble fait théorème de. Je sais pas, théorème du rang. Ah, est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est une binôme liée injective, etc. ou en même dimension. Sahit, t'as dit que c'est la chatre. La chatre dimension, t'as Kn, il y a n plus 1. Ou dimension de Kn plus 1, il y a n plus 1. Donc, sous en 9, cette dimension. Donc, théorème du rang, quelque part, ça me permet de conclure. Donc, il suffit juste de montrer les injectifs. Alors, allez, j'ai injectif. Qui n'est pas phi P qui annule phi N. Donc, je trouve correction. Voilà. Qui est-ce que P est موجود dans le noyau de phi N. Je m'en ai موجود dans le noyau de phi N. Alors, la première chose, c'est موجود dans Kn de X, l'ensemble de départ. Ou la deuxième chose, puisque l'image de P par phi N est uplée avec P A0 jusqu'à P N.
Donc, puisqu'il est dans le noyau, donc tous les composantes sont nulles. Donc, ils sont nuls. Voilà. Donc, je vois là, voilà, un polynôme de degré inférieur à n, ou un n plus 1 racine. Les racines sont à 0 jusqu'à 1. Ou un n à 0 jusqu'à 1, c'est un distance 2 à 2. Donc, voilà, un n plus 1 racine. Un polynôme de degré inférieur à n, un n plus 1 racine. Tu fais croire que c'est un polynôme nul. C'est l'unique polynôme de degré inférieur à n qui admet n plus 1 racine nulle. Donc, elle est forcément 0. Donc, P, c'est un polynôme de degré inférieur à n qui admet n plus 1 racine distante de 2, donc P, c'est le polynôme nul. Donc, le noyau de phi de n, c'est 0. Donc, phi de n, c'est un isomorphisme. Puisque c'est injectif, donc c'est un isomorphisme. L'année, je vais écrire rapidement, je vais écrire un théorème durant et tout. Claire ou l'est, je vais le mettre. Monsieur. Monsieur Blay, P appartient à Kn de x, à quel degré de P inférieur ou égal à n, mais n plus 1. Khatr Kn, nous n'avons pas de définition, c'est l'ensemble du polynôme de degré inférieur ou égal à n. La confusion, elle est avec Ayoub Yachni. Mais je fais degré, au fait, la dimension de Kn, il y a n plus 1. Ok? Avec quelle confusion, elle est ici. Dimension, il y a n plus 1. Ah, mais le. Le Kn, c'est le polynôme qui contient les. Kn, l'espace qui contient l'ensemble qui contient les polynômes de degré inférieur ou égal à n. C'est bon, tu m'as animé l'ensemble. Je connais l'archive. Deux questions à l'époque. Monsieur, la question est là, c'est surjectif. C'est normalement, je sens le fait qu'il est surjectif. La question est là, je suis en fait. Montrer maintenant que ça existe un unique P, tel que P de A égale à B, quel que soit. Et bien, au fait, puisque tu as un isomorphisme, je m'en vais chercher. Je m'en vais chercher. Un élément, mon jeu de le Kn plus 1, un élément, mon jeu de Kn plus 1, un seul antécédent. Je m'en ai un élément majeur de Kn plus 1. Ah, je fais ça là. Un élément majeur de Kn plus 1. Et élément. Donc, voilà, on est fait n. Mais le Kn de x. Donc, Kn plus 1. C'est un isomorphisme. C'est un isomorphisme. Plus c'est un isomorphisme. Donc, quel que soit. Un élément de Kn, nous on écrit pour P0 jusqu'à Pn. Un élément majeur de l'ensemble d'arrivées, il existe un unique P en départ, Kn, x, tel que phi n de P égale à B0 jusqu'à B1. Donc, on va aller. Ok? Sauf que, je m'en ai à phi n de P. Phi n de P, tu sais où je suis, phi n de P. Et, au fait, c'est P de A0 jusqu'à P de A. C'est l'image. Donc, et élément B a un seul antécédent lié au P. Toilette, quel que soit B, quel que soit donc I, ça m'a animé P qui vérifie P de AI égale à PI. Je vais vous dire, en fait, tout simplement, l'image de P, de P plutôt par phi N, il oui, donc le P, la composante, la première composante de l'image, la première composante de DBI. Donc,
Donc ça existe un unique P finalement qui vérifie ceci. Parce que Fantoni va le. C'est un isomorphisme. Donc, quel que soit B0 jusqu'à Bn, on joue le cas n plus 1, il existe un unique P appartenant à Kn de x, tel que phi n de P égale B0 jusqu'à Bn. هذه واضحة ولا؟ هذه اللي فهمتش عليها. هذه ما فهمتنيش عليها، على خاطر هذه علاش؟ على خاطر ما تنساش أنه في إن، نرجع لين ننساه باش تراخي، في إن، هاي ريت في إن هذه أوفيت، في إن هذه، أوفيت أنا مونتي لي ستان إيزومورفيزم، بويسك ستان إيزومورفيزم، دونك أي إليمون باش تاخذه من هذا، عنده أن سول أنتيسيدون. اي ليمون من هذا عنده ان سول انتيسيدون صحيح اختار بيجكتيف دونك اي ليمون من هذا نجم نكتبه بي 0 جوسكا بي ان سا اكزيست ان يونيك بي كي فيريفي في ان دو بي هي بي 0 جوسكا بي ان نرجع طول تبع افيك بي 0 وبي ان هما سوليسيونيت مش سوليسيونيت معناها عباره بي دو بي دو بي ان بي دو بي 0 حتى بي دو بي ان لا العكس لا 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 ها العكس به ريت هذه به شو مو عندي انا سنخم بدل ستيف عندي في ان بارتيت في الكون في ان من الكا ان دو اكس عطين الكا 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 ان بلس ان دو اي كا ان بلس ان به هي ستون ستون بيجيكسيون مادام ستون بيجيكسيون دونك ستون سورجيكسيون سورجيكسيون ou quel que soit un élément que je t'ai dit, a un seul antécédent qui est là. Donc, qui n'est pas un élément, lorsque je fixe un élément pour l'ensemble d'arrivées, il existe un unique antécédent. Il existe un unique antécédent, mon jeu de le cas n. Donc, quel que soit B0 jusqu'à Bn, mon jeu de le cas n plus 1, il existe un unique P qui vérifie phi de... phi de... qui vérifie phi de phi n de p égale à b0 jusqu'à p. D'accord? Avec ce qu'on a l'éjection. Donc, la définition par l'application linéaire avec un phi n. Avec au fait phi de l'image de phi de p par phi n, il y a p de a0 jusqu'à p de a1. Avec l'image de p. Donc, je vais te dire, je vais te dire, donc, quel que soit B0 jusqu'à Bn, il existe un unique P tel que HD égale HD égale HD. Donc, femme à l'égalité HD. Ben, l'égalité bien le vecteur HD, HD est chaud. Maintenant, quel que soit I, P de AI égale à BI. D'accord? La conclusion, quand tu te fixes de B0 jusqu'à Bn, donc ça existe un unique polynôme qui envoie les AI, qui envoie ces AI sur les BI. Deux coefficients. Faisons racine de 2 ou pi. Donc deux coefficients distincts. Là, ça va jouer le rôle de A0. Là, le rôle de A1. Il existe un unique polynôme P au jour de K2 de X, de degré 2, hein, tel que ma fonction est le B. Qui n'est que le B, le B0, disons 5, ou le B1 ou 7. Donc, il y a un unique polynôme P, tel que P de racine de 2 égale à 5. Donc, ça renvoie le A0 sur B0, ou P de pi
هي 7. اوكي هذه هي ليدي اما ردوا بين راهو سا اكزيست ان اونيك بولينوم دوغري انفيريور ايكال 2 خاطر كي نبعد على دوغري 2 جو بو تروفي دوتر بولي اي نورمالمون جو بو تروفي دوتر بولينوم هذه هي ليدي ليدي سي كوا دونك اشاك فوا سي جو فيكس Donc, des coefficients bi, en utilisant cet isomorphisme, je peux trouver un unique polynôme, je peux trouver un polynôme p, qui renvoie les ai sur les bi. Ok? Femme pour moi. Ben, je vais l'exercice, je m'en vais. Puisque ça existe un seul polynôme, طبعا باش نحاول نصنع البولينوم هذايا اعطيني فاسون رابيد باش نصنع بها البولينوم يونيك هذايا فاسون رابيد هي تو سامبلومون دو كونسيديري لي زونتيسيدون دي زيليمون دو لا باز دو كا ان لي دي سي كوا باش تاخذو باهي شنو باش نعمل باش ناخو E0 جوسكا EN E0 جوسكا EN هو سي لا باز كانونيك دو KN بلس 1 جوست بدلت النوتاسيون قبل كنا نكتبوهم E1 جوسكا EN جوست نبقى في نفس الكونسيبت وفي نفس الريبريزونتاسيون باش بدلهم E0 جوسكا EN افيك EI هو الفاكتور دو KN KN بلس 1 اللي فيه 1 في الإي بلس 1 إيام كومبوزونت معناها A0 فيه 1 في البريمير كومبوزونت A1 فيه 1 في الدوزيام كومبوزونت و ainsi de suite Puisque tu as un arbre non fi n c'est un isomorphisme, donc pour chaque EI, un de un seul antécédent, LI. Quel que soit I, il existe un unique polynôme LI qui vérifie phi de LI égale à EI, phi n de LI égale à EI. D'accord? Ben, polynôme est d'ailleurs, plus tu as l'autre phi I. Phi I, LI, au fait, qu'est-ce qu'il vérifie? Phi de Li et je peux t'attendre finalement et phi là plutôt je suis et Li de A0 jusqu'à Li de AN. Ou Li, tu fais la fille, ou c'est l'antécédent de EI. Ou EI, ou je n'en ai pas. Fille des zéros. Juste quelque part, fille, femme A. Je ne fais pas mon nom. Le phénomène est non. L'A, c'est au fait, oui. Ça correspond à L de AI. Donc, le phénomène est non. L de AI. C'est exactement 1 ou Li de AJ 0. D'accord? Ou Li ou le monjoud, rappelez-vous, dit ma monjoud, fait le Kn de X. Donc, qu'en avez-vous le nictbo ma part? Donc, je vois le Li, combien de racines elle admet? L'admet n racines les huma a j pour j différent de i donc les n racines t ou de degré inférieur égal à n donc il admet n racines de degré inférieur égal à n donc je peux écrire nous li ou bchet là c'est le produit de j différent de i avec j de 0 jusqu'à n de x moins a j d'accord ou faire un coefficient lambda avec le polynôme L. Le coefficient lambda que je t'ai là, qui est L I de AI. C'est lambda fois le produit de J différent de I de AI moins AJ. Déjà, c'est égal à 1. Donc, lambda, finalement, c'est 1 sur ce produit-là. D'accord? Donc, choix là finalement.
البولينوم ال اي وليت نجم نكتبو سي لو برودوي سور لي جي دو 0 جوسكا ان دو جي ديفيرون دو اي de x moins ai agit plutôt sur ai moins aj. Polynôme AD, c'est l'unique polynôme qui vérifie phi n de li égale ei. D'accord? Alors tu me poses juste, je suis confirmé, je vais vous le faire. Une conclusion. Est-ce que les كتبتوا حتى توا ça va ou là? Espérons que nous avons un peu de temps. Toi, qui fais ça, je vais faire une conclusion. Juste, je vais faire juste un petit rappel. Nous avons une base E0 jusqu'à N de Kn. Nous avons les antécédents de Li. L0 jusqu'à N. Ok? نعرفهم لي زونتيسيدون باهي توا كي ناخذ ان بي 0 جوسكا بي ان ان فيكتور دو كان كان بلس 1 بلس 2 موجود في كان بلس 1 الفيكتور هذايا نجم نكتبو او فات هذايا سيت ايغال ا بي 0 0 بلس 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 بي ان وين هكا ولا au même temps, c'est la somme de i égale à 0 jusqu'à n, donc de bi, où le i maintenant c'est l'image de li, donc phi de li. L'état où on va donc phi n normalement, c'est phi n de la somme de i égale à 0 jusqu'à n de bi li. حنا شنو نعرفوا عليه في ان في ان وفات سيت ان ايزومورفيس وهذايا ال الفيكتور هذايا لادمي ان اونيك انتيسيدون اللي هو بي سميناه بي دونك الانتيسيدون اللي نحكيو عليه بي هذاك وفات باش يطلع هو بي دو وبي هذايا هو هذا دونك جو بو ليكسبريمي اون فونكسيون دي بولينوم دو لاغرانج دونك متسمى داكا. Donc le polynôme il est marqué par les mêmes bêtises avec qui vérifie p de ai égale à bi, le roi unique. Le polynôme avec au fait où cette là finalement c'est la somme de i égale à 0 jusqu'à n de bi fois li avec les li homa avec li hop cette là c'est le produit sur les j différents de i de x moins aj sur AI moins AJ. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Et la question, je suis en arme au B, au fait, la grande interpolation a dit, au fait, je suis en arme au B. L'interpolation, ça me fait pour approcher une fonction. Je m'en ai pour approcher une fonction. Je vais vous dire, comme l'expression de la fonction, je vais vous donner l'image. Et le quinta, vous supposons que nous avons une fonction, nous avons une courbe de taille, juste nous avons une courbe de taille, nous avons l'expression de taille, c'est quoi? Ou nous avons plutôt l'image de quelques points. Comment je vais approcher la fonction? Nous avons une fonction, on dit des points, a0 jusqu'à n, distant de a2, ou nous avons f de ai, donc nous avons, comment je vais approcher. F de x en utilisant approximativement, ce sera combien f de x? L'idée c'est quoi? C'est d'approcher f par des polynômes. Je vais dire au fait f, f c'est presque un polynôme. Je vais l'approcher par un polynôme. Le polynôme d'interpolation de Lagrange, où je pose p, c'est la somme. Ils vont jouer le rôle de BI, de F de AI, LIX. Je pose P ou AD. On va dire que je vais dire
P de F de X, أي X, نحب نحسب له الإيماج نتاعه, سا سورا بريسك P de X. هذه هي الإيدي دو لاغرانج. داكور؟ عشان اسكو زافي كومبلي البرانسيب ولي؟ هذه سي بتو أي. داكور؟ معناتها اي فونكسيون نجم نكتبها اون فونكسيون دي بولينوم مسيو مش نجم نكتبها اما نجم اون بو لا معناها نعطيوها ابروكسيماسيون اي فونكسيون بو لا لابروكسيمي بار دي بولينوم معناتها اذا كان ما عنديش ليكسبرسيون دو لا فونكسيون ما عنديش ليكسبرسيون دو لا فونكسيون بو تروفي ان بولينوم كي اي بريسك ايغال ا اف هو ما نعرفش توا فما ديزيتود يتعاملوا لابروكسيماسيون اصلا نجم نعرف لورور اللي باش يصير خاطر انا جوي لابروكسيمي بار ان بوليغون دونك نجم نحسرك لورور هذاك سي دو لوردر مثلا دو 10 بيسونس 5 ولا اليوم يعطيني اون ابروكسيماسيون بورتون ما نعرفش الفونكسيون جوست نعرف لي زيماج دو كيلكو بوان بار سيت فونكسيون لي سورتو في الفيزيك ولا في تو سكي ابليكي كان عندكم اون ابليكاسيون بيزون نعرف عليها حتى جوست نعرف عمل دي ميزور في دي بوان معينين F de AI, CBI. Donc, nous sommes avec les BI. Il y a des cas pour engendrer les images d'autres points dans la fonction. D'accord? Donc, en principe, il y a un plaisir. C'est très fatigant. Je vais vous montrer le document. Les trois documents. Vous m'avez dit, mais en correction, le grand, normalement, énoncé. D'accord? Et entre temps, je vais essayer de chercher d'autres solutions pour explorer. Ok. Monsieur, aujourd'hui, quand je suis en train de série, tant je suis en train de série la note, je suis en train de faire la note, j'attends déjà منكم الكل اللي حاضرين كل كل واحد فيهم يبعث لي ميساج فيه اسكو فهم ما فهمش كلير موش كلير الحكايه ما نعرفش اسكو كابتي ولا ما كابتيش باش نجم نعرف اسكو نكمل نعمل كور ولا حتى ما نجمش نعمل كور فما ناس ماهوش يحضر ولا ما نجمش يشوف ولا ما نجمش يفهم اوكي مسيو عايش باهي دونك نستنى في الفيدباك من عندكم الناس الكل دونك باش نعطيكم الدوكيمون الكل ou normalement juste vraiment je voyais que n'y a plus l'outil d'accord ok donc il y a des questions à Bartol à demain inchallah juste حاجة واحدة peut-être là où on نبدل الوقت خاطر صباح peut-être نبدل الوقت et qu'on a la flexibilité pour tabdil الوقت نبدل الوقت ok donc à demain في الأمان يا مسيو سلامة